Hello, décidément tous les vlogs démarrent au studio en ce moment. Je suis là, alors il y a les palissades, c'est loin, c'est pas un bon angle. Vous avez sûrement dû voir dans la semaine, enfin la semaine passée maintenant par rapport à la sortie de la vidéo, avec l'installation du Queen Jet. Allez sur la chaîne YouTube de Disneyland Paris, la première chaîne Disney de France en fait, d'Europe. Bref, c'est leur chaîne officielle. Vous avez une petite vidéo super sympa où on voit la pose du Queen Jet. Je pense que vous l'avez déjà vu, mais moi j'ai déjà vu plusieurs fois parce qu'elle est vraiment belle. Le Queen Jet est là-bas, ils l'ont posé. Alors voilà, je me positionne à les palissades. Alors je sais que de parachute drop, on a une vue qui est un peu plus intéressante, mais là, bon, j'ai pas envie de le faire et de laisser Steph seul. On a, je sais pas, le panorama magique si on voit bien. En tout cas, voilà, avec les palissades. Toute la partie qui a été faite, qu'on voit juste là, où ce sera donc du coup l'attraction Iron Man. Alors je précise bien, le ride Rock'n Roller Coaster n'a absolument pas changé d'un iota. Hein. C'est la déco qui, sera complètement métamorphosée. Donc il y a des effets de projection qui se font, comme des courants qui passent tout le long de la façade. J'ai trouvé ça super beau, j'ai pu voir ça cette semaine, des gens l'ont filmé. Bon là malheureusement c'est pas activé, ça devait être des tests. Mais comme dirait quelqu'un, on a hâte de voir ça. Et bien sûr Spider-Man qui continue de pousser. Hello! T'es contente? T'as vu le Queen Jet atterrir cette semaine? Ouais c'est super, vraiment c'est super, là ça y est ça prend forme. Et je pense qu'ils vont ouvrir pour mon anniversaire, je suis né en juin. Oui. Et oui, c'est avant l'été, on rôde un peu, c'est un bon mois juin, c'est un bon mois. Non, vraiment. Tu es en train de placer ton anniversaire là? Non mais c'est super, ça avance les murs, t'as vu comme c'est fini, ils ont mis des plaques, non c'est chouette. Hein. Mais est-ce que tu seras en forme pour Avengers Campus? Parce que c'est un campus, hein. Il va falloir bosser dedans. Hein. Il va falloir aider Spider-Man, il va falloir aider Iron Man. Iron Man, il va pas devoir quoi. Non, mais il y a du merch, il y a du food. Moi, je serai dehors, j'encouragerai les gens, tu vois ce que je veux dire. Je serai une cheerleader, tu vois. Wouh! Allez! Avengers Campus. Alors, comme dans le grand parc, vous avez le tableau maintenant avec les horaires et avec tous les happenings qu'il y a. Et alors, regardez la surprise. La Reine des Neiges est revenue. A musical invitation. Voilà les horaires, 11h20, midi 10, 14h30. Voilà, la Reine des Neiges. Ça, c'est super. Là, ça vous donne les horaires des attractions. Donc, les shows, les événements. Les petits points selfie qui sont ici, avec les horaires aussi. Et de l'autre côté, qu'est-ce que l'on a? Les horaires des restaurants. Pareil, les attractions, toujours. Avec les horaires. 5 minutes à Ratatouille. Ça vaut le coup, non? C'est sympa, j'avais pas fait gaffe pendant les travaux de crush, ils nous ont aussi décoré les palissades. Salut Bruce, il n'y a pas que lui. On a les autres poteaux. Out. Oh, des donuts. Ah non. Ouais. Il va. Ah, c'est pas mieux pour le camion. Là, c'est bien. Allez. Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui nous arrive tous? On fait le casque nous emmène devant, on fait l'ouverture de Cars Road Trip. Et il se trouve qu'il fait un peu frais, les sièges sont mouillés, froid. Et on voit là, regarde, filme là, on voit bien là-dessus. C'est comme ça là où on a posé nos culs. Ouais, regarde. C'est pas grave, on est les premiers à rentrer dans l'attraction, c'est chouette, regarde, il y a le train. Ah bah t'es en forme hein. Wouh. Hey. Ah je me suis exprimé 20 000 fois sur le sujet, la bande son ici pour moi c'est l'éclat. Rock'n'roll. Je me demande si ça va pas faire comme le RER, t'es assis et en fait c'est celui d'en face qui part. Non regarde, ça y est. Je blaguais bien sûr. C'est chouette hein.
Hey, regarde, on est tout seul. Personne. C'était une surprise, je voulais le faire, j'ai réservé. Oh, merci chérie, tu sais à quel point moi j'adore être dans des petits trains. On se balade, on est bien, on prend notre temps, c'est important de prendre son temps. Enfin, c'est pas nous qui prenons notre temps, hein. On conduit pas. Par contre, elle pourrait être. Elle croit qu'elle conduit. Ça va, oui. Bienvenue à bord. Bienvenue, merci. Vos guides ne vont pas tarder à nous rejoindre. Veuillez rester assis et garder les bras. Ah bah même eux ils rigolent de voir Chris danser. Ah ouais, je sais les chéris, je sais. Samedi, hein, parce qu'on y va le samedi, donc ce sera le samedi, si c'était dimanche, ce sera dimanche, c'était le mardi, ce sera le mardi. Voilà, les nouvelles gourdes sont jolies aux couleurs des 25 ans, des 25 ans, aux couleurs des 30 ans, voilà le mauve dont j'ai parlé dans la dernière vidéo que nous avons vue, et rose et noir. Elles sont très 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 jolies. Combien coûtent-elles? Oh, il y a marqué Minnie Mouse en plus, c'est très joli. 25 euros, voilà. J'aime beaucoup ces petites tasses à 12,99, ces mugs, pardon, avec le liseré comme ça, doré, l'intérieur turquoise. Ça fait 13 années 50, je trouve, et c'est très raffiné. Donc vous avez dans le même modèle Ariel, Alice au Pays des Merveilles et Bambi. C'est très très joli, je trouve ça vraiment très élégant. Alors là, le bleu est plus soutenu. Voilà, c'était juste un petit passage sur ces mugs que je trouve très très joli. Alors, à savoir sur le point, les effets spéciaux de notre chaîne, c'est de la folie. Tout est à 70%. C'est-à-dire. Allô ? C'est le truc, t'as voulu arrêter dans tous les merchandising, c'est terrible, c'est terrible, c'est terrible. Je parle, le gars vient, c'est fou quoi. Voilà, tout est à 70%. Bon, ici, il n'y a pas grand-chose, mais on va aller voir ce qu'il reste à Emporium. Juste au passage, hein, puisqu'on est toujours avec du merch, des gens qui ont dit qu'il n'y aurait plus de jersey, il y en a partout. Hein. Voilà. Donc maintenant qu'on a vu les nouvelles collections, effectivement, il y avait des gens qui se disent « j'achèterai pas celui-là », mais pour ceux qui le voulaient, il est partout. Voilà. Non, mais c'est pas un gros succès. Il n'y a pas une rupture de stock. C'est juste comme d'habitude, ils en avaient mis 10 en rayon qui se sont vendus très très vite. Les gens ne les trouvaient pas, mais il n'y a pas de rupture de stock. Non, mais il y a des gens qui ont dit « ouais, ils vont en faire 200, on ne pourra pas en acheter ». Voilà, ils sont là. Non, on parle du futur. C'est vrai que c'est une question qu'on peut se poser. On ne va pas revenir sur le cas du jersey de Noël. De toute façon, lui, il va disparaître. Mais le loading. Oui, mais le loading. Non, le loading ne va pas vraiment disparaître. Vous allez bientôt le retrouver dans les soldes futurs. C'est pas un gros succès, le loading. Voilà, un petit tour express au studio.
de la news, il en faut. On s'est bien éclaté là. Allez, voilà, on retourne dans le parc principal. Hé, Herbie, choupette. C'est une vraie, hein, elle a été utilisée dans un des films. Alors la nouveauté de la semaine, on l'a vu sur les réseaux sociaux, puisqu'il y avait donc, toute cette histoire d'ouverture pour les PA, Infinity particulièrement. Les 50 ans de Walt Disney World, ça continue chez nous, et ça c'est super sympa. Et le petit bonus, donc il n'y a plus le launch line, mais je pense qu'il est par contre sur Shop Disney, mais il y a les oreilles, et il y a la peluche. Voilà, elle est super, elle est vraiment jolie, bon... Ah mais attends. Oui. Il a une clé. Oui. Ah, c'est rare ça. Mickey, maintenant, il est moins représenté avec sa Alors, ce qu'il faut savoir aussi, parce que j'ai vu quelque part, je ne sais plus où, quelqu'un qui avait tout compris comme d'hab, on parle de Walt Disney World, donc c'est le Space Mountain de Disney World. C'est pas notre Space Mountain et c'est pas une tenue qui pourrait correspondre au nôtre. Non, mais pas du tout. Voilà, on parle... Le Space Mountain des États-Unis, il est blanc. C'est pour le... Voilà, et Mickey, t'as parlé en tout cas. Je suis pas très fan... De la tenue, non. De la tenue, en effet. C'est surtout le côté latex qui n'est pas très... Là, on était avec les Anthony sur Insta, ils étaient en train de nous dire le côté latex, c'est vrai que... Oui, mais par contre, je suis étonnée parce qu'il est représenté à l'ancienne, c'est-à-dire il a la tête souris, et ça, c'est bien. Et puis, par contre, ce qui est très joli, regardez, sur le pied. Ah ben oui. Là. Voilà, vous avez la série. Alors, il va y avoir 12 fois. Oui, par attraction. Des happenings par attraction. Il faut savoir qu'ici, la peluche est vendue moins cher, puisqu'elle est vendue à 30 euros. Non, oui, au lieu de 40 et quelques sur internet, si je ne me trompe pas. C'est ça, 30 euros. Non, la peluche est vendue à 30 euros, alors que sur le Shop Disney, elle est à plus de 40. Donc ça, c'est sympa. Les oreilles, je les trouve très belles. Alors, j'aime beaucoup, c'est en relief, c'est du plastique en relief. Et à l'arrière, ça donne un côté donc métal. Là, c'est pareil, c'est un côté un peu comme du cuir, doublé un peu en mode velours. Et à l'arrière, on a... Le 50. 50 ans, Walt Disney World. On n'a pas encore été à Disney ça. World. Il y a marqué toi... Space Mountain. Oui, bien sûr. Voilà. Super joli. Hein. Donc, étant donné que tu collectionnes les oreilles. Ah ouais. Voilà, et puis c'est normal puisque Space Mountain, c'est ton attraction préférée, tu fais tout le temps. Et... Tout le temps, tous les jours. Non, par contre, Black Lisa pas. À Disney World, tu peux la faire tranquillement. Oui, elle est beaucoup moins. Rien à voir avec la nôtre. C'est une sorte de Big Thunder soft. Bon, bah écoutez, alors numéro 1, c'est fait. On va en faire 12 comme ça. On verra ce qu'on nous propose. En tous les cas, c'est extrêmement joli. Ça, c'est très beau. Et tout ça, vous trouvez ça dans le Bookstore. Storybook Store, qui est à l'entrée du parc. Bien sûr, votre gauche. Bien sûr, comme on peut voir. Voilà. Mais que vous sachiez, vous trouvez ça ici. C'est parti. On se les prend. Donc, elles sont à 30 euros. Avec le PA, ça te les a faites à 24. Oui. Voilà. Le Storybook Store, c'est quand vous venez, il en reste. À voir. À voir. Donc ça veut dire qu'il y a encore 11 paires d'oreilles dans cette côte. D'accord. Il y aura peut-être Autopia. Même la version américaine, mais il y aura peut-être Autopia. Allez, gros changement dans la zone de travaux. Maintenant, on peut passer sur la partie droite, ce qui n'était pas le cas. Par contre, la partie gauche, elle est condamnée. De fait, nous avons également une petite déco. Sympathique. Des petits blasons pour le carousel de Lancelot. Il fait sa petite rénovation. Quoi ? Le capitaine Crochet aurait pris possession du carousel ? Ah, j'ai envie de thé maintenant. Ben non, mais passe dans le champ tranquille. Hein. Voilà, c'est bien. Devant la rose de Belle. Voilà. Je devrais me faire un écusson comme ça, la team merch. Touche pas trop, elle est en vert, tu vas la casser. Tiens, essaie d'enlever les pédales. Oui, tu prends pour Arthur. Voilà, mon salamon d'une main. Bon, okay. Moi, il y a quelque chose que je veux voir ici. Ah ben, je suis déçu, il n'y a pas ce que je voulais voir. J'ai vu ça cette semaine. C'était, il y avait les jets d'eau qui étaient activés avec un effet de lumière dedans. Ah mince. Je pensais que c'était en permanence. Est-ce que c'était des tests? Et ce sera quand la saison sera plus propice. Grande déception. Il n'y a pas. C'est peut-être le soir. C'est Victor qui m'avait envoyé la vidéo. Et... Mais c'est peut-être le soir, tu vois, pour que ça se voit plus. Tu crois? Non, c'était en plein jour, il n'y avait personne, c'était le matin. Mais c'était des essais, ça, je crois que le... c'est ce que je viens de dire. C'était peut-être des essais pour une meilleure saison.
Parce que c'est vrai que d'habitude, même l'hiver, les jets d'eau, ils sont fermés. Bon. Elle s'est venue là pour ça, je rentre à la maison. Ah non, on mange d'abord. Elle me pique mes phrases. C'est elle qui vient dire, ah non, on mange. En même temps, avec les oreilles, je trouve que j'étais très bon dans la présentation. J'ai fait du merch. Je trouve que je fais un meilleur merch que toi. Il est plus précis, plus concis. Tu dis n'importe quoi, parce que toi, tu ne chantes pas, alors que moi, je chante dans tous mes marches. Tu sais ce que c'est sortir du champ en fait, parce que si je filme comme ça et que tu parles là-bas, c'est que tu n'enchantes. Mais je reste, les gens m'imaginent. Enfin, voilà. J'ai pas besoin de rester à l'image pour que les gens me voient. Donc, ouais, voilà. Tu marches. Voilà, allez. J'adore cet endroit et ce que j'avais déjà dit il n'y a pas très longtemps, on était en haut, la superficie est absolument incroyable. Ah, je réalise aussi. Ah, le train qui passe. Je réalise aussi que les yeux du Cheshire Cat ne bougent pas. Oh, la fumée derrière. Yeah. C'est ce qui est magique dans ce parc, dans les autres parcs aussi. Mais... quand on regarde, il se passe des choses en arrière-plan, la beauté des détails. Regardez, un train à vapeur qui passe. Premier plan, on a le labyrinthe, le château, j'allais dire du roi, de la reine de cœur, parce que le roi, il est un peu... Oui, ah bah lui, il se montre. Ça, c'est un autre monument de Disneyland. Stéphanie. Todd Hall. Ouvrez-le. Ouvrez-le, Todd Hall. Magnifique. Alors, une petite nouveauté merch. Donc, ça, c'est le sabre de Rey. Hein, on reconnaît bien. Voilà tous les points qui sont bien repris. Donc, la couleur est jaune pour Rey. Voilà. Rey Skywalker. 399€ et donc ils mettent Mandalorian Dark Saber, donc c'est une autre couleur que vous pouvez demander. Je ne me rappelle pas que ce soit celui du Mandalorian au niveau de la forme et au niveau, c'est une épée qui sort, je vois pas trop le... Peut-être je me trompe, mais il me semble que c'est pas ça du tout. La boutique, dès que vous avez fini l'attraction, vous pouvez venir à la boutique sans avoir fait l'attraction. Alors j'ai plus d'informations, effectivement, le sabre n'est pas du tout le sabre de... Ils ont marqué ça, mais en fait c'est un sabre que l'on voit d'ailleurs si vous suivez la série de Book of Boba Fett. Donc ce sera celui-là, il est sécurisé, il n'est pas mis en place pour l'instant. On ne peut voir que celui de Rey, mais il va arriver. Lily, vous l'avez déjà vu une fois, parce qu'on a déjà fait une photo, ouais. Ça a été filmé, ça a été dans une vidéo. Alors, je dois le reconnaître, je suis un fan de Winnie, mais je pense qu'elle me bat. Parce que tu es tout le temps avec, alors on peut voir, voilà, il y a tout le temps un Winnie avec toi. Et les ears Winnie aussi. Et ouais. Pas tout le temps. Et le masque. Voilà, et le masque. Alors, ça a démarré comment toi, Winnie? Parce que là, c'est une question qu'on me pose souvent. Depuis que je suis petite. En fait, c'est ma mère qui était fan de Winnie l'ourson, et du coup, bah, elle me mettait devant Winnie l'ourson, et voilà. Ah, c'est venu de ta mère? Ouais. Ah, c'est cool ça. Ouais, c'est ma mère qui est fan de Winnie l'ourson, du coup. J'avais une petite peluche que j'ai perdue, qui était mon doudou, et bon, je l'ai perdue, mais j'ai jamais perdu l'amour que j'ai pour Winnie. Voilà, t'as jamais eu un moment à l'adolescence, un truc comme ça, où t'as un peu été à l'écart par... Non, toujours. Après, à l'école, ouais, je cachais un peu ma passion pour Disney, parce que bon, c'était un peu bébé d'aimer Disney, puis après, ouais. On connaît. C'est revenu, mais j'avais toujours une peluche Winnie l'ourson. Ok, ouais. Voilà. Hein, je suis battu, hein. T'en as combien, les Winnie? Là, je te bats peut-être. En peluche? En tout, toute forme, confondue. Je sais pas. En peluche, j'en ai une dizaine. Je pense que je dois en avoir 30, 40. Ah, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà. Bon, moi, j'ai un peu triché, j'ai récupéré celle de Victor aussi. Ah oui, non, il mais est parti, j'ai gardé. Voilà. On se fait une photo avec Winnie? Oui. Ah, on se fait une photo avec Winnie. C'est, voilà, à chaque fois qu'on se voit, on se fait une photo avec Winnie, nous. Voilà. Toi, t'es, moi, oui. Je vous bats parce que j'ai au moins une centaine d'aliens. Est-ce qu'on en parle? Mais Winnie est largement au-dessus. Mais oui. On est d'accord, on aime les aliens, oui. Mais Winnie. Non, mais il est gentil, mais il trouve jamais son miel. Enfin, je veux dire, ce mec, quand même, a un sérieux problème. Alors, si, il trouve son miel, c'est pas vrai. C'est l'ancêtre de Dory, quoi, le gars. C'est... Tu vois? Viens, on se casse. Non, mais je parle. Au revoir. De... Au revoir. Nickel. C'est parti, mon Winnie. Regarde Winnie, le petit Winnie.
Merci. À bientôt. Repose pas bien. Bon, petite nouveauté aussi, c'est le vide-poche Phantom Manor. Regardez comme il est beau. Voilà, 20€. Attendez, je vous le montre ici. Il est très beau. Donc c'est bien, hein, Phantom Manor, on a plein de choses qui sont sorties. Donc voilà, 20€. Toujours dans la même boutique. Magnifique. Tu m'en es où encore pour manger? Voilà. Burritos Land. Burritos Land. Vas-y, Tex-Mex. Voilà. Woo! Yes, take my money. Ça va? Yes. Okay. Mais il n'y a plus les faritas par contre. D'accord, mais t'as les doritos, c'est heureux. Comme ça, tu mettais toi-même ton guacamole, etc. Et ta babouche, oh là là, bon, tu trouverais la tira et la bella. Tu fais quoi? Attends, non, tu pourrais continuer, tu te mets juste devant pour attirer les gens dans le restaurant. Tu continues, tu fais le numéro juste devant. Tu chantes, tu vois, avec des air guitare. Tu crois? Air mandoline. Oh, tu air mandoline. D'accord. Ok, faut que tu manges. C'est une idée, hein. Dis donc, c'est sans transition, mais Dorito, Utopia, c'est ta journée, hein. Pourquoi ce serait pas ma journée? Pourquoi ce serait pas la polka crevette day? D'accord. Pourquoi t'aimes bien Utopia aussi? Tu dis pas, mais t'aimes bien conduire à Utopia? Non mais si, alors si, ça je me suis déjà expliqué là-dessus. Tu veux pas conduire aujourd'hui? C'est moi avant toi. Bah avant, viens, avant, c'est toi qui conduis aujourd'hui. Avant. Qui c'est qui conduit cette semaine? Ah, t'as insisté. Mais oui, c'est toujours moi qui conduis. T'as insisté. T'es content, hein? Oh, t'es content. Allez, on y va. Il faut regarder la route, hein. Voilà. Mais c'est notre autre générique de spécial Utopia. Tu sais plus, c'est parce que tu sais plus chanter. Oh, le truc pour que je le fasse. Oh. On a de gros changements. C'est qu'on n'est que sur du Haribas. C'est même précisé. Sur toute la zone. Je vais voir l'autre côté. Haribas. Ça a changé rapidement. C'est devenu entièrement Haribas. Il reste quelques petites figurines. Enfin, pas statues figurines, en bas. Statues en bas. Bah, comme aux États-Unis, hein. Aux États-Unis, Haribas, c'est que Haribas. Il y a une... Ouais, à Disney Springs, il y a une boutique entière. Bah écoute, okay. Voilà, c'est la petite nouveauté du jour. Il n'y a pas que ça aujourd'hui. Voilà ce qui reste. Bon là ça va être plus une question d'adaptation. C'est bien mais ça me fait bizarre sur le coup. Je sais pas si ça va bien marcher, si ça va prendre, mais faut s'adapter. Alors voilà les fameux macarons que j'avais pas encore fait. Donc 5 achetés le 6ème offert, 11€ du coup les 6. Donc on a chocolat, citron, vanille, pâte à tartiner, café, caramel beurre salé et framboise. Sympathique tout ça. Quelques minutes plus tard, j'ai mon assortiment. J'ai pris les 6 macarons avec mon PA, ça m'a fait 8,90 quelque chose. Voilà, c'est intéressant. Maintenant, est-ce bon? Donc voilà, sur chaque goût différent, vous avez un personnage. Donc on a framboise, chocolat, citron, on a caramel beurre salé, pâte à tartiner, c'est niqué, si je ne me trompe pas,
et, comme je viens de le dire, le château, café. Voilà. Ce sont les six, qu'est-ce que tu fais? Donc j'ai pas pris Vanille, je sais plus quelle personne c'était, vous voyez un petit peu avant, je vous l'ai dit. Tu laisses toutes tes tâches. Très sympa maintenant, est-ce bon? Je répète, est-ce bon? Alors, c'est bon, pas transcendant, mais c'est bon. Pour du macaron lambda comme ça, c'est très bon même. Voilà, c'est pas... On n'est pas chez la durée, je fais mon bagel, mais... arrête, je te... regarde ce qu'elle fait. Non, laisse Donald, mais t'aimes pas citron en plus. Donald, c'est citron. Autant j'ai eu un doute sur les autres, il a fallu que je goûte, mais voilà. Voilà, non mais c'est intéressant, c'est bon. C'est bon. Ah, il y a une information importante. Les bonbons au pois sont revenus. C'est la vigue, les bonbons au pois. Tu vois? La gastronomie, c'est important. M'en fous, j'ai mes macarons. La gastronomie. Allez, vive la France. Oui, les macarons, vive la France. Un petit tour vers les lanières qui viennent de sortir, qui sont très très belles. Donc il y a lumière. Fantasia, elle est absolument sublime. Vraiment très très belle. On a Donald. Et celle-ci, gros coup de cœur, là-haut. Très belle, 13 euros pièce. Vous les trouvez partout dans le parc. Très très jolie. Petite nouveauté lanière. Voilà, une bonne journée bien remplie. Et ben on va terminer, vous avez même eu du merch, on va terminer avec la parade, ça s'impose. Donc n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, si c'est déjà fait ça n'a aucun sens. Si vous appuyez dessus, vous allez vous désabonner, ne faites pas ça. La notification c'est la petite cloche, le pouce vers le haut ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à laisser les commentaires, ce que vous aimez, ce que vous voulez voir. Je sens que sur ma droite il y a quelqu'un qui va me toper et ça c'est toujours pénible les gens qui vous topent. Oui madame, c'est pourquoi ? On fait la même taille, c'est presque. Pourquoi, voilà, presque toujours coup de la main et elle se casse la gueule. Voilà, donc ben sur ce, je disais au revoir. Sur ce, bye bye avec la parade, hein. Stars on Parade. Ouh. Bye bye.
Tu as vu, jeune? Tous ces gens ont l'air si heureux.